Président dominicain, compatriote haïtien frère Semyo, Abinadel rentre col, rentre pied toute longueur dans dossier déploiement force multinationale en Haïti. Ayer lundi 2 octobre 2023, li pa un secret pour personne que Conseil de sécurité Nations Unies finalement voté projet résolution avec 13 voix pour 2 abstentions côté autorisation à pays Kenya pour mener militaire en Haïti pour venir aider PNH combattre gang, combattre insécurité. Mais côté bagaille là pral drôle, c'est pas si drôle non, c'est dans bouche dominicain déjà nous pral apprendre qui le militaire kenyan yo qui les premiers troupes soldats étrangers yo pral débarquer en Haïti, c'est pas si causé. Nous pral ba tout détail yo dans bon timamite. Après gros manifestation qui fait hier en République dominicaine, côté agriculteurs, producteurs zè yo te décidé à débarquer avec plusieurs cartons là, déposer dans pied monument qui représente symbole agriculture en République dominicaine non. Eh bien, président Abinadel hier, il t'a pral finalement annoncé yon nouvelle qui t'a pral mettre la joie dans cœur commerçant dominicain yo. Nous pral dou exactement qui ça y est et tout nous pral tout conseiller pour te quelques petits conseils pour compatriotes haïtiens yo pour yo tout préparer yo ranger causé yo dans dossier ça. Ancien DG la police Mario André Sol qui était là en 2004, le ministre est rentré en dedans pays yon. Le ministre est venu en Haïti soi-disant pour te venir aider nos combattre insécurité, combattre gang. Eh bien, matin là, il est dédoublé. Après Conseil de sécurité a fin voté projet pour gagner militaire étranger qui rentre en Haïti, eh bien Mario André Sol pas mettre de l'eau dans bouche. Pour un pour le parler avec déjà actuel la police et France Elbe. Deux, pour le porter quelques petits conseils pour policiers nous yo et surtout avec militaire la médaille yo qui là. Ou pral gagner pour qu'on ait exactement qui ça le t'a parlé, qui ça le t'a dit pendant que matin il t'a participé dans émission sous Magic 9. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? M'espérez nous en forme. M'espérez ou préparez aujourd'hui là pour émission. Jeudi à ce mardi et 3 octobre 2023, n'a profité souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire à toutes amis, toutes familles et Chanel qui a fêté en occasion spéciale jeudi. Parce que nous connaissons déjà, nous extrêmement important, pour moi, nous important pour plateforme là, parce que c'est nous qui aidons le travail à avancer. Donc, soit fêté, pas négliger mes amis pendant la semaine, partager information avec moi pour me fêter avec vous. En grand gens, reprendre pas gagne menti dans ça. Et sans perdre du temps, nous pral rentrer dans l'information parce que nous tellement gagne information pour nous partager avec aujourd'hui là, son bagaille et tête chargée. Hier lundi 2 octobre là, 4h tapant rendez-vous ont été fixé, Conseil sécurité Nations Unies, yo té finalement réuni une énième fois pour yo et décider sous projet que États-Unis et pays Équateur t'es écrit dans ça qui gagne pour avec demande que gouvernement haïtien que premier ministre de facto Ariel Henry a gouvernement là t'es soumettre pour yo te demander international là aider yo avec gang aider yo avec bandi parce que yo pas capable encore que PNH pas capable répondre avec besoin de sécurité peuple haïtien. Eh bien après un pile monté descend, un pile titoto lalito, un pile démagogie, eh bien finalement dans agenda Conseil de sécurité hein, eh bien dossier Haïti hein, yo t'a pral mettre le sous table, yo t'a pral finalement voter sous lui. Et hier j'en t'ai fait mention dans l'émission hein, côté que nous t'ai fait approche et maintenant qui ca possible que et projet et États-Unis avec Équateur là sous force multinationale là t'es qu'a pas réussi. Eh bien exactement nous ouais que t'es la Chine, que t'es la Russie, yo pas voté contre projet. Le fait que yo fait abstention, ça permet que pays 13 pays qui votaient pour yo, ça permet que yo même yo joigne privilège. En diplomatie nous connaît gon certaines finesse. Gon certaines façons que monsieur yo défend intérêt, yo n'a pas défend intérêt. Si c'était pour États-Unis m'a dou ça. Et hier, Conseil de sécurité,
votre projet déploiement force multinationale pas passé. Parce que si États-Unis qui t'a fait leur bio, il pas passé. Nous connaissons déjà comment torchon a boulé entre États-Unis avec la Chine, États-Unis avec la Russie. Mais cependant, pour déploiement force multinationale rive fait, eh bien CARICOM sous auspice pays États-Unis, États-Unis, on est États-Unis toujours dans tout petit détail yo. Eh bien, c'est pays CARICOM yo, 15 pays membres CARICOM yo qui te mette yo en avant pour yo faire lobby, pour yo parler avec homologue et chinois yo, homologue russe yo, pour yo wè nan ki dimension possible yo te karive pour yo joindre et réussir projet a. Même le et la Russie ak la Chine yo pas voté pour, ben le fait que yo fait abstention, yo ferme bouche, yo croise bras, yo ap gade, ça te permet que finalement projet a li passe. Eh bien, une fois que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté, il a fini par résultat vote. Pays voisin nous là, on est à Bibiave, tout ça qui a passé en Haïti, tout ça qui concerne Haïti, eh bien, sans perdre du temps, Abinadel, l'État pral et félicité Conseil de sécurité des Nations Unies parce que finalement, il a voté projet de déploiement force multinationale. Et tout le tout profiter, exhorter pour pendant le déploiement militaire étranger, pour tout garder comment il a institutionnaliser la démocratie en Haïti tout bon et pour permettre à ce que Haïti aille bien, aller de l'avant. Mais nous connaissons déjà cette hypocrisie, Abinadel a fait. Si pour nous causer de l'eau en question de l'eau, Abinadel a fait tout tapage ça, fait tout voyer monter ça, tout l'obéir ça. M'pas quoi Abinadel ta jamais aimé pour Haïti gen sécurité. M'pas quoi République Dominicaine ta jamais aimé pour Haïti gen stabilité. Parce que jou nou gen sécurité et stabilité la kay nou, gen en pile bagay que Dominicain yo gen avantage en jodi, y a perdu avantage en deux battements de cils. Vous comprenez? Automatiquement, nous avons sécurité là-bas. Nous avons un paquet de bagailles, question tourisme, question agriculture. Il y a vendre nous manger, il y a mettre mal propre sur marché. Nous avons un paquet de bagailles qu'on y a Haïti, Haïti, à ka, by tête sur. Ça, nous clair sous les. Mais quand les bagailles ont appris pour l'autre tournure, c'est que le ministre des Affaires étrangères et dominicain, Roberto Alvarez, qui déclarait qui fait qu'on est que pays Kenya préparé yo là pour déployer premier troupes militaires en Haïti à partir de mois novembre, de commencement mois novembre qu'a gagné pour venir là. Mais nous connaissons déjà le gagné déploiement force et multinationale, le gagné l'autre pays qui a débarqué, il t'a supposé joindre aval parlement la Kaili, gagné ensemble de principes, gagné ensemble de directives qui supposé respecter, etc. Roberto Alvarez dit pas de bagaille sa pièce. Li fait qu'on est président William Ruto pas besoin al passer dans parlement al mande autorisation parlement pour militaire et Kenya yo quitter Kenya rentrer en Haïti son seul coup de clé. On y a posé cette question qui ça qui baille gouvernement dominicain toute certitude ça qui ça qui baille Roberto Alvarez toute certitude ça que d'ici mois novembre cap gen pour venir là que premier troupe kenyan yo premier troupe militaire étranger yo a gagné pour rentrer en Haïti. Pas oublier pendant 78e assemblée générale des Nations Unies gagné yo protocole d'accord qui était signé entre pays Kenya avec et pays avec République Dominicaine avec homologue dominicain. Normalement là grand pile zanmi k'a posé tête question. Est-ce que derrière force multinationale ça, est-ce que derrière protocole d'accord ça qui signé entre Kenya avec République Dominicaine, est-ce que Abinadel pa gen ti dwèt li kap trempé dans déploiement force multinationale? Est-ce que République Dominicaine même le de manière officielle République Dominicaine Abinadel dou yo pa voye trop en Haïti parce que nous gon passé historique vraiment et tumultueux nous gon nou, question Haïti République Dominicaine ça bagay ça gon gwamèl yo pa déployé troupes en Haïti. Mais le nous a gardé bagay yo à distance. Le nous gade niveau implication République Dominicaine, n'a gade niveau implication président dominicain, ministre affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez, dans dossier force multinationale, dans dossier déploiement militaire étranger. À un certain moment, faut dire tout. Est-ce que quelque part, Abinadel
pas chercher coordonner, pas chercher rentrer dans un dossier, dans un fond dossier, même le de manière physique, pas de militaire dominicain sous sol, mais au niveau technique. Est-ce que la République dominicaine n'a pas préparé pour le jouer en Zel 4 silence, sans côté que tout bagay ou est militaire et Kenyan, ou est militaire jamaïcain, ou est barbadien débarqué en Haïti, mais au niveau technique, dans ce qui est pour avec coordination technique, yo, nous pas jamais connaît si Abinadel pas cherché à ranger quoi pour infiltrer et force et multinationale, là, nous pas connaît. On dossier comme ça, on nouvelle comme ça, m'pa kwè se nan bouche Roberto Alvarez. M'pa kwè se nan bouche Dominique pour nous t'attendre, mais qui l'est, mais qui joue, mais qui date, mais dans qui occasion, premier troupe militaire étranger a bien pour rentrer en Haïti. M'pense vraiment, si son bagay sérieux qui t'a fait, si Jean-Riel montre, si Jean-Victor Généus montre, yo apprécie sa fête dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, yo implique à chercher sécurité pour Haïti. M'pense en pareil nouvelle comme ça, en décision comme ça, m'pense c'est autorité haïtienne qui peut arriver, vini di population, vini di peuple haïtien, mais qui ça nous apprend, mais comment la fête, mais qui j'en la fête, mais qui joue la fête, maintenant qui moi la fête, etc. Donc par rapport avec situation ça, déjà mettez dans tête tout. Implication République Dominicaine, implication gouvernement dominicain, déploiement force multinationale, pas de doute sous lit. Pas de doute sur ça, Abinadel gon bagay la chercher en Haïti. Un bagay qui est extrêmement important. Ce n'est pas la première fois que le déploiement et force militaire en Haïti. En 2004, l'été gen MINUSTAH. Est-ce que tu as tout tapé ça par bon côté dominicain? Non, pas de gen. Peut-être en 2004, intérêt que Abinadel, intérêt que le gouvernement dominicain actuel, ouais, yo mette sur Haïti, un bagay yo te censé différent. Gon l'autre approche encore. MINUSTAH finale, vin gen ministre juste qui vini. Ministre juste finale, vin gon cause binu. Ou wè pa gen même implication, mais pour qui ça c'est quand il s'agit de militaires, de nèg ak fusil, nèg ak gros am fann fwa kap déployé en Haïti, ou wè gen tout intérêt ça par bon côté République Dominicaine, par bon côté pays voisin non. Faut que nous commencer caler genou, faut que nous l'origer non. Faut que nous ka comprendre que derrière déploiement force multinationale des protocoles d'accord ça accord amitié relation d'amitié qui signé entre République Dominicaine avec pays Kenya relation qui existait journée aujourd'hui entre Luis Abinader Corona avec président Kenya William Ruto son bagage que haïtiens nous autres haïtiens si nous pas chercher analyser peser le pour et le contre c'est rester n'a prêté un bon matin nous ouais que militaire dominicain yo dou que yo a vinn wè zanmi yo Kenyan en Haïti yo pa vinn non yo pa vinn atako yo pa vinn violer souveraineté mais c'est question zanmi tay ou yo gen zanmi yo en Kenyan là yo passé dil bonjour etc. Faut nous mande Ariel compte faut nous mande Jean-Victor Généus compte oui c'est vrai gen en pile compatriote haïtien qui pas d'accord qui était vraiment opinion était vraiment mitigé opinion était vraiment divisé par rapport avec déploiement militaire étranger déploiement étranger sous sol haïtien gen pile haïtien gen pile compatriote qui pas d'accord qui dit que et ça nous prend en 2004 journée aujourd'hui en là et en 2023 nous pas ta supposé à demander aide, nous pas ta supposé à demander soutien étranger si vraiment nous te tirer leçon de 2004. Effectivement, bral dit nous, de 2004 à 2017, le président Jovenel et Moïse Monté, li dit fort ministère, les tirer sans, yo mettre ramasser paquet sur yo, etc. Nous pral fini par réaliser que présence ministère, l'el te en Haïti, l'el te vle dit un bagay pour bandi yo. Suivez bien pour automatiquement ministère aller pas vraiment gros consolidation qui fait en dedans PNH pour te permettre à ce que PNH réponde avec besoin sécurité pays. Le président Jovenel Moïse prend initiative pour le remettre campé l'armée. Yo bay l'armée à tout non, l'armée pour pétrole, l'armée rose, l'armée 10, l'armée date. Qui est-ce qui t'a fait ces mêmes politiciens ça yo? Ces mêmes opposants politiques yo. Journée aujourd'hui on a regardé à qui figi André Michel fait figure bien dit pour le dou que et militaire kenyan yo force multinationale yo bienvenue en Haïti
Alors que sous président Jovenel Moïse, nèg sa yo te rend la patrie, yo te rend Haïti invivable, yo te rend la patrie vin tellement dangereuse, même moi haïtien qui nan diaspora pè vin en Haïti, allez voir pour haïtien qui vivent en Haïti. Pour qui ça parce que yo dou et contingent ministre yo te pote maladie, yo te pote ceci, yo te pote cela. Mais yo tellement bon niveau hypocrisie qui enrage qui wo. M'pa di que ministre pa jam pote choléra ou yo te pote choléra, nou gon paquet compatriote haïtien qui mouri. Nous avons paquet famille qui dans moment là dans situation difficile parce que gen proche moun qui te kon a pédé yo qui te kon a ba ti coup mais yo prend choléra mais gon bagay pour nous pas jamais oublier tout le gen on force étranger qui vient en Haïti qui vient di a porter soutien a venir aider etc. pas jamais prend responsabilité interne nous pour laguer dans main yo question sécurité en pays. C'est la police à l'armée paysan qui doit gérer. Mais si on prend liberté ou dit OK Kenyan vini, Jamaïcain vini, dis vini, dat vini, ou lagé tout chari sous doyo. Ou pensez yon t'ap vin fon bagay sérieux pour vrai? Ou pensez yon pral vin mettre sécurité la caillou tout bon? Mais non. C'est job français mais parce que yon dou son coup de main ba ou. Si yon dou yon vin bon coup de main pour yon l'année. Le un an fini yo ramasse paquet yo ale ou même koun ya fòk ou ka assure fòk ou ka pran la relève la pour continuer. C'est dans logique tout bagay qui a fait en Haïti, tout bagay qui a fait en dedan pays, nous lagué le sous doyen étranger, c'est bloc pour prendre décision pour nous, c'est bloc qui pour ba nous l'argent pour mettre dans budget nous, c'est bloc qui pour faire 10, c'est bloc qui pour faire date. Tout ça n'a fait pour pays, tout ça n'a fait pour peuple haïtien, nous lagué le sous bonne volonté étranger, sous bonne volonté bloc. C'est tout normal pour yo pour assiette, pour yo mettre n'importe la fiette là dedans ba nous. C'est tout normal pour yon pour un bol, pour yon mette n'importe mal propre là dans yon ba nous, yon dit nous meli. Et yon force nous manger, yon force nous bol parce que nous pas jamais ka décider de par nous même. Nous rive jounen jodi en 2023. Côté que là nan pays voisin, nous n'ap gade pour une question canal, pour une question de l'eau n'ap pran pour nan louze jardin nous. Nous wè ki quantité nèg ak gros zam 20 fois dominicain déployé sous frontière là. Nous, we matin, midi, soir, on a un hélicoptère qui a sillonné, on a un drone militaire, on a 10 sur 10 dates. Journée, jeudi, on nous fait un bilan de PNH. Qui ça nous besoin? Qui ça nous voulait? Comment nous voulait? Etc. C'est parce que nous n'avons pas de petits vagabonds sales dans la question politique, dans le dossier politique en Haïti, qui a fait influence politique, qui a joué, et puis sortant de l'écrasé institution pour la police. Yo crasé ce qu'a fait PNH, mais côté pays. Pour qui ça parce que nous avons trop de politiciens qui allient à gang, nous avons trop de politiciens qui allient à bandi. Et le fait que vous allez à gang, vous allez à bandi, depuis le président qui monte, il n'y a pas d'intérêt, ça a fait, il y a senti intérêt économique menacé par le pays. Qui ça fait? Il y a plagué gang dans le président. Il y a plagué gang, il y a activé gang pour faire massacre. Après ça, pour y avoir encore, le président fait massacre. Le président tout le monde, président fait 10, président fait date. Nous vivons tout le bagage sous le président Jovenel Moïse. Et journée jodi en voilà c'est même nèg sa qui était en face Jovenel là c'est eux même qui n'ont pouvoir journée jodi a k'ap mandé pour blanc vini pour blanc rentrer en Haïti mais malheureusement yo entend yo avec pays voisin nous République Dominicaine pour yo voyer en force multinationale là pendant que nous penser c'est Kenya pendant que nous penser c'est pays CARICOM yo qui pral venir de vrai et ou pral garder côté technique là ou pral garder technicité déploiement l'a gen droit Abinadel tremper là-dedans l'a gen droit gouvernement dominicain tremper là-dedans d'une manière ou d'une autre ça moi vle ou clair sous li mais gòl l'autre bagay qui est extrêmement important dans question déploiement force multinationale là moi dis nous c'est CARICOM qui censé faire lobby qui gérer toute bagaille jusqu'à ce que yo rive passer projet à dans Conseil de sécurité des Nations Unies mais on nous garde réalité en face CARICOM gagne 15 pays là-dedans nous pral font nous pral font gymnastique ensemble 15 pays ça yo qui est yo ou gagne Antigua et Barbuda ou gagne la Barbade ou gagne Bahamas ou gagne Belize ou gagne la Dominique ou gen la Grenade, ou gen Saint Kitts and Nevis, ou gen la Grenade, ou gen la Guyane, ou gen Haïti, ou gen les Grenadines, ou gen Saint Lucie. 15 pays au total. 15 pays au total, ça yo, si nous regardons la réalité à travers l'histoire, ou après son véritable échec. Son véritable échec pour qui ça? Lorsqu'on pays, tant qu'on Haïti, qui gen yon passé
historique, qui a un passé glorieux, côté que nous sommes le premier pays nègre qui prend indépendance, qui sortit en bas de colon. Livre dit ça, le dit. Pas de problème, nous sommes membres CARICOM. Nous ne pas qu'être l'autre pays. Pas de gros pays, pas de petit pays, c'est ça que je toujours dis. Mais là, nous avons gardé un paquet de pays. Pays, ça, même j'ai Haïti, il y a un problème. Pas yo. Qui problème, il y a un pays qui est Jamaïque. Matin, midi, soir, il y a gang. Matin, midi, soir, il y a trafic de cocaïne. Nous avons disparu. La police jamaïcaine, c'est coup de balle, il y a pété, c'est bandit, il y a cherché. Situation Jamaïque pas différente de Haïti. Qui pise ou attende, jounen jodi an la, gang village de Dieu, negizo yo, gen relation avec Jamaïcain, kapote cocaïne en Haïti, etc. Donc, ou apwe, même gens avec Haïti, Jamaïque gen problème pal. Et, majorité de l'autre pays qui constitue CARICOM, non? Sécurité, c'est Royaume-Uni, kap gère le pou yo. Parce que, qui s'acrive? En pile nan yo, c'est ancienne colonie anglaise yo. Donc, quoi déjà comprendre, tout jour viré force multinationale, ça, il y a des séries de pays, la caille yo pas bon, yo pas de sécurité, yo pas de gars, policier, mais comme Haïti nan CARICOM, yo vle ba on kout, mais yo montre yo gen bonne volonté, yo kadou ma voye 100 policiers, ma voye 150 policiers, vin ba on kout, mais vin aide. Mais par rapport avec situation, par rapport avec contexte, en journée jodi an là, los, même lorsque grand monde de pour pas faire sport, si moun a vinn jouer dans babou. Par rapport avec contexte d'insécurité, instabilité politique nous trouvons nous jodi an là, même les Haïti te gagné porte passé, même les nous te fait bataille contre colon, nous c'est premier pays qui crasé contre l'esclavage etc., en paquet histoire. Mais journée jodi an là, nous n'en besoin pas c'est tout monde qui met ton ti miette. Ou longe assiette là-bas international, tout pays a cherché mettons ti ma. Li te met se sa moun nan fin mounel pas besoin la plagel nan assiette ou parce que c'est mandé ou mandé yo. Eh bien c'est dans situation ça nous trouver nous journée jodi an là avec déploiement force multinationale. Entendez ou dou, gen 12 pays, gen 13 pays qui paraît pour ba écoute mais pour aider Kenya. Mais qui pays yo ye? Est-ce que la caillou comment on gère question sécurité, comment on gère question gang, comment on gère question bandi? Gen bandi tout côté. Ce qui est différent pour Kenya, pays Kenya, militaires kenyans, yo même, c'est des séries de soldats, des séries de militaires qui font bataille. Yo fait gros bataille déjà. Yo bataille contre terroristes, contre groupes djihadistes. Yo fait la République démocratique Congo. Et même au Kenya, organisation qui défend les droits de l'homme. Dans le pays Kenya, société civile dans le pays Kenya, c'est deux menaces qui ont pris les mouei pour les policiers kenyans, pour les militaires kenyans, parce que tellement de barbe aux policiers, tellement en militaire kenyan yo policier kenyan yo depuis yo rivon côté c'est frappé c'est balle cap pété c'est balle cap tiré toujours gon question de dommages collatéraux toujours gon problème de victimes dans mitan population civile parce que automatiquement yo rivon côté c'est des bandits yo pral c'est groupe terroriste yo pral attaquer mon cher c'est balle yo louvri ti moun grand moun toute victime pour qui ça c'est pour yo montrer que gagné au mauvais côté pas bon côté gon mauvaise et parti dans ça qui gagne pour avec militaire kenyan yo mais pour montrer pour vendre une image de l'armée kenyan qui fort dans l'armée kenyan qui pas manger rien fret yo montre que nèg za yo côté yo passé c'est bagaille sauvage c'est bagaille moun fou c'est bagaille moun enragé seulement yo fait kounye a est-ce que LB déjà en Haïti chaque jour depuis que manifestation c'est demain en tête n'a meté pour policiers nous qui faire usage abusif gaz lacrymogène. Est-ce que France LB li préparé pour ça qu'a vinn joindre ni là? Est-ce que yo préparé pour tornade qu'a privé sur yo là? Que on veut que on pas veut? Que d'accord que pas d'accord, que moun di yo pas veut Kenya yo veut Kenya etc. Eh bien vle ou pas, vle ou pas, Kenya yo a vin en Haïti. Déploiement force multinationale la fête en Haïti. Mais nous ka déjà attendre nous avec risque. Nous ka déjà attendre nous avec question et abus d'autorité, abus de pouvoir. Nous ka attendre nous avec bavio policier, violence, etc. Nous ka attendre nous avec kadejak.
avec viol, avec maladie, avec avec voler bête paysan, etc. Rentrer dans le jardin paysan. Nous vivions déjà en 2004 avec Minusta. Mais nous pas en 2004, nous en 2023. Si vraiment autorité qui l'a yo, yo te kon sa te passé en 2004 yo, au moins yon a tiré une leçon, yo a mette des balises pour éviter que même erreur yo, yo reproduit. Ça, li important. Et dans le dossier Kenyan, il est évident que Marion Dressol pral gagner l'autre détail, il pral avancer, n'a permet tout temps de li après. Nous pral rentrer dans le dossier Canal. Chaque lundi, dans le palais présidentiel en République Dominicaine, eh bien, président Abinader l'a rencontré avec la presse, l'a rencontré avec les médias dominicains. Eh bien, qui ça nous remarque? Dossier Canal là, il est toujours dans le concert, il est toujours dans des bails. Et dans le moment où on a parlé à la président dominicain, gouvernement dominicain, il a utilisé principe nous carréler, nous principe qui dit la fin justifie les moyens. M'bra l'expliquer pour qui ça me dit et comment Abinader a utilisé le moment. Objectif Abinader c'est faire qui ça? C'est faire camper Canal. Canal n'a pas conçu sous rivière Massaclan qui pral permettre que paysans plein ba mariba ou yo joine de l'eau pour yo ouze jardin yo pour yo ouze terre yo pour yo faire manger en dedans pays. Abinader gouvernement dominicain yo fait menace. Yo déployé militaire dominicain à gros armes fond froid. Yo fait intimidation, yo bay sanction. Ah, yo fait tout ça yo te konnen, yo fermé frontière, yo coupé visa. Yo wè rien pas marché. Mais au final Abinader li pral choisi avec directeur institut et ressources hydriques en République Dominicaine non pour installer 3 pompes dans rivière Massacre. Et hier lundi, hier soir, il y a gros la pluie qui tombe dans Dabon, rivière Massacre descend. M'a regardé et média dominicain qui postait vidéo, m'a regardé commentaire, m'a regardé caption yo mettait pour vidéo yo posté. Yo dou rivière Massacre qui en cru pour yo son beau bagaille parce que li pral frete, li pral bay construction canal la fè en gros calotte marasa, et bien ça a tout forcé nous, ça a tout poussé travail la campé. Donc c'est comme ça République Dominicaine a fon jouet tout tivis. C'est comme ça Dominicain yo a cherché depuis son occasion yo joine qui nan intérêt ou qui possible pour yo pour canal la ta bloqué, yo a fait li. Et pas donné la pluie son bagaille naturel, m'pa ka di c'est Abinader qui fait la pluie a tomber. Mais yo utilisé rivière là, yo utilisé pompe et station de pompage yo fait et sous rivière Massacre parce que déjà yo gagne une pompe yo installé. C'est 3 pompes yo a installé pour yo prend 15 500 gallons d'eau à la seconde avec un débit 1 mètre cube d'eau à la seconde. Donc pour yo c'est une opportunité. Son opportunité, les rivières descendent, automatiquement, rivière en coup de l'eau descend à force, ça qui arrive, l'irache bouche et canal noir, ça qui arrive, l'écraser travail, c'est ça Dominicain a obtenu, c'est ça Abinader a obtenu. Bon, comme li wè kounye a, nous rete, nous même nan plage à delante, toute parole, toute tentative, toute action yon fait, nous pas occupé, nous pas réglé en merde pour yon. Eh bien, hier, automatiquement, Conseil de sécurité des Nations Unies, yo fin approuvé déploiement force multinationale là. Eh bien, président dominicain, Luis Abinader, selon ça et RFM rapporté, ma radio, yo fait qu'on est que, Abinader, gouvernement dominicain, yo paré dans la semaine qui a bien pour venir là, pour yo commencer faire une étude pour yo wè comment yo ka reprendre activité commerciale yo avec Haïti. Le pourquoi? En République Dominicaine hier nous wè gen un pile producteur zè, gen pile agriculteur qui t'a mette zè et sous place qui représentait symbole agriculture en République Dominicaine là. Eh bien, pression commence à monter par bon côté secteur production et en République Dominicaine. Pression commence à monter sous Abinader. Pression commence à monter et sous ministère commerce en République Dominicaine. Faut gagner yon manœuvre yon utilisé pour apaiser producteur yon, pour apaiser agriculteur yon. Gagner yon sociologue en République Dominicaine, semaine passée, hein, week-end passée précisément, qui lui-même lui te font approche côté que lui te dit,
il t'a demandé gouvernement dominicain, hein. Il dit gouvernement dominicain, hein, voilà, même là nous pas ouvrir frontière là avec Haïti pour Haïti rentrer sous sol dominicain, hein. Il conseillait pour gouvernement dominicain, hein, étudier possibilité pour reprendre activité commerciale yo avec Haïti. Et c'est exactement conseil ça que Abinader suivent, leur a annoncé que pral gen une étude qu'a fait pour voir comment yo ka reprendre activité commerciale yo. Son bagay qui est extrêmement indignant. L'indignant parce que hier gen une vidéo qui rive joindre moi. Côté m'a regardé compatriote haïtien qui a passé en bas fil, qui a fait dominicain arrêté yo pour qui ça parce que yo te besoin rentrer en République dominicaine illégalement pour aller acheter marchandises pour venir vendre en Haïti. Est-ce que c'est pas sans honte ça relé? Nous faisons bataille pour nous répondre pour nous reprendre droit grand moun nous, droit grand d'être manger nous pour nous faire manger dans pays nous pour nous répondre avec besoin population et pour pas joindre des séries de petits vagabonds qui yon même pas karete, kap passe en bas fil, al fè Dominique mare yo, filme yo, ba yo kalot pou ki rezon, parce que yo dou yo pral achete nan kontribot. Koun yon, le Abinader pre image sa, la pataje la avec media dominicain. Lèl pren la montre international la pou le di, mais ki sa Haïti a fait pendant frontière fermée. Ou pense son bel imagier pour Haïti? Ou pense son bel imagier pour compatriotes sa yo kap bay san yo, kap bay ju yo, kap bay tout énergie yo nan kanal la pou travay la fin fèt? Le n'a parlé de solidarité, nous vle solidarité en fait tout bon. Mati an gozon mi kap di mwen, et Yannick pendant Abinader annonce que yo pral étudier possibilité pour frontière la relouvria. Et moi même ta reme pour policier polifrontio réactiver sous frontière pour le Abinader pour les dominicains ouvrir bon frontière pa yo et pour empêcher haïtien rentrer en République dominicaine à l'acheter. Mais non. Policier polifrontio pa rien pour empêcher haïtien rentrer en République dominicaine à l'acheter. Parce que journée jodi an là nous devons suspendre dans la logique, c'est bâton pour faire nous marcher. C'est bâton qui pour faire nous conduire nous. C'est bâton pour faire nous respecter et devoir nous. Et river, comprendre ça nous gagne comme obligation. En tant qu'haïtien, travail qu'a fait sur le canal, il doit être un symbole pour nous. Un symbole côté que nous te dit non avec oppression dominicaine. Nous te dit non avec humiliation dominicaine. Policier pour les frontières, même les Dominiques qui ont ouvert les frontières demain matin là, ou bien à 6h à soir là, pas aucun policier qui t'a supposé camper avec un bout de bâton devant les frontières pour dire haïtien, pas rentrer, même le bon frontière haïtien t'a ouvert pour qui ça, parce que ou doit connaître, ou doit mettre dans tête tout. Dominique, là, ont pris décision 4 septembre, ferme les frontières, c'est pour te humilier nous. Si vous avez un Dominique qui ouvre les frontières, parle. Même là, nous pas ta choisi fermer pas nous, oui, mais nous tout ta doit venir camper à garder Dominique qui ouvre frontière, mais nous ne pas rentrer. Son réponse comme ça, là nous faire le constat, là bien plus sens. Au lieu c'est policier qui avec bout de bâton, cap dit haïtien, tournez, pas rentrer, pas rentrer. Retournez la caillou, retournez la caillou. Li vinn faire nous passer pour comprendre, li réduit dans bataille n'a mené. Li réduit dans mouvement, li réduit dans sensibilisation à faire pour haïtien respecter la caille, li respecter souveraineté, défendre souveraineté pays. Abinader n'a tout dou ça et message lancé pour tout compatriote haïtien yo. Abinader pral étudier possibilité pour reprendre activité et commerciale frontalière avec Mounouan Ametio. Nous même en tant qu'haïtien nous pas besoin de ces policiers qui viennent dire nous pas rentrer en République dominicaine là où l'ouvre frontière yo. Nous voulons chaque grenaïtien retourner à prendre dignité au côté où t'es marré là, côté où t'es serré là, en bas pied table où t'es fourré là. Parce que si nous quittons ces policiers là caille nous cap repousser nous pour nous pas rentrer en République dominicaine, toute bataille nous t'ai fait dans dernier jour ça pour nous montrer dominicain fermer frontière parti tilanien, c'est comme si pral dit dominicain on t'ai soif rentrer la caille ou t'ai retourner la caille. Avant hier m'a regardé un jeune garçon qui sous canal là qui font une déclaration qui vraiment touche moi, mais en tant qu'haïtien pareil moi m'pardonnel pour qui ça? Parce que moi, j'ai un pile haïtien qui a bataille contre propre tête. Jeune garçon qui s'alte dit.
Li fait qu'on est que lui même lui content pour retourner en Haïti là pour venir travailler. Mais si nous gen malheur nous quitter frontière là l'ouvrir, n'a travailler sur canal là. Si nous gen malheur nous quitter frontière dominicaine li ouvrir, nous pas faire mais bon pas nous là pour retourner en République dominicaine. Ça c'est choix ou. Si frontière dominicaine ouvrir, nous pas faire mais pas nous. Ça pas veut dire pour autant que ça pas si nous pas fermer bon frontière pas nous, ça pas veut dire pour autant nous empêcher haïtien sorti, nous empêcher haïtien à faire activité li. Le nous fermer bon frontière, c'est comme si ou dit haïtien n'a fait pression sur vous pour nous pas pour pas rentrer en République dominicaine. Journée aujourd'hui les chaque haïtien gagne libre arbitre li pour le décider lui-même. Pas trouver nos situation côté que ouvrez son monde qui pour prendre décision en place ou. Même gens nèg sa ou ki nan te pays a fin krasé pays a yo fin krasé économie pays a yo krasé sécurité pays a kounya se blanc y a tann pou décider nan place yo. Abinadel ouvè frontière vie privée. Abinadel décide pour reprendre activité commerciale avec Haïti vie privée. Nous même en tant qu'haïtien kounya nou pral fè choix, nous pa acheter nan men yo, nous pa en relation commerciale avec yo. C'est dossier canal nous, c'est dossier production agricole nous n'a pou lancer en Haïti. Et en parlant de production agricole, hier dans l'émission, quand est-ce que m'tap sensibiliser compatriotes haïtiens qui dans diaspora yo pour regarder comment yo te ka mette tête ensemble, chercher l'argent, chercher équipement pour garder est-ce que le possible pour yo ta venir faire quelques banques agricoles en dedans pays là pour aider pour ba en coup de main avec secteur agriculture là, secteur élevage pour me citer ça seulement. Eh bien, après l'émission hier, là, moi, je vois une très, très bonne nouvelle. Il y a un compatriote, un haïtien, pareil, nous, qui décide lui-même de mettre maintenant patte là. Eh bien, monsieur Daniel Montou, et qui c'est descendant Victoria Montou et Grand Toya, et ma tête de Saline, si je ne me trompe pas, ouais. Un bon compatriote. Et lui-même, lui déjà, a bah, écoute, mais pas, lui, il y a un compagnie de l'eau, qui est le Rada. Compagnie ça c'est lui-même et qui baille et frère Luxon zone pas faire monde l'eau pour petit moun yo, ça extrêmement important, son good job la fait. Mais en dépit de coup de main la baille et dans compagnie li, li décider après nous te fin proposer compatriotes qui dans diaspora yo pour mettre tête ensemble pour regarder si au café banque agricole en Haïti venir investir venir faire coopérative agricole en Haïti, eh bien li montrer un très bel local li gagne. Li vle mette local sa à la disposition et de pays l'autre compatriote qui intéressé ou ka toujours rele mes crimes sous dossier banque agricole coopérative agricole, m ka meto en contact avec monsieur Montou et pour nous faire et pour nous faire connexion pour nous voir comment nous ka aider. Li même qui sa li vle local li gen disponible pour le mettre à la disposition de pays de secteur agriculture pour voir comment yo ka mettre campé en coopérative agricole, comment yo ka fait pour yo mettre matériel agricole à la disposition de paysans yo, de planteurs nou yo, de on comprend de cultivateurs nou yo, pour yo jwenn bon gens outils adéquats pour yo travailler pi bien, pour yo bay plus rendement. Donc c'est ça qui est important. Journée aujourd'hui, nous déjà fin clair, nous fin tracé objectif non que nous voulons joindre l'eau pour vous éjader. Qu'on y apprenne fin joindre l'eau, faut nous accompagner paysans yo. Donc li extrêmement important et on le fait encore monsieur Montou vraiment apprécier initiative que on prend. C'est ça me toujours conseiller les amis qui dans diaspora yo, c'est pas seulement ouais qui ça qui ca bon pour pays, mais c'est mettre maintenant patte là pour nous avancer. On va le partager avec nous. Yon, après le long exploit, on connaît gen moun ki pral di se propagande m'a fait et post-mortem pour ancien président Jovenel Moïse, mais non, c'est pas propagande, c'est une réalité. Tout ça qui vérifiable, tout ça qui prouve, qui justifie, li pas en propagande. On toujours dit nous ça. Eh bien, président Jovenel Moïse, le li te monté, tout et le ta fait campagne, te bon ensemble de promesses que li ta fait avec paysan yo. Et surtout, et dans logique, li pral mette moun, terre, soleil, de l'eau ensemble pour relancer production nationale, pour nous répondre avec les besoins alimentaires et paysan. Eh bien, après plus passé 30 ans, depuis après 87, te gagné yon projet de banque agricole en dedans pays. Projet ça après Duvalier en 1957
te genye, nan kod rural lan, te genye ensemble de dispositions qui te prend pour accompagner paysan yo, pour accompagner moun ka plante yo, pour accompagner pêcheur yo, moun ki a fait élevage yo, pour accompagner yo de manière à ce que yo ka jwenn kòp prete pour yo mette nan activité yo a faire pour ka grossi. Ou comprendre pour économie pays ka avancer, pour malheureux ça yo ka galon souffle. Eh bien, en pile tentative fait pour yo wè, est-ce que e coopérative agricole yo te ka kembe, est-ce que banque agricole yo te ka kembe, tout fini par échouer. En 87, te genye, avant même 87 pour yon en 87, te gon projet qui te nan tiwa. Projet a se ki salte, se te rive mette kampe en dedans pays an. Sa nou karele yon Banque Nationale de Développement Agricole, BNDA. Eh bien, il aurait fallu, c'était en 2020, le président Jovenel Moïse monté dans le pays. 24 août 2020, Jovenel Moïse t'a pral installé membre conseil administration, ça nous rele Banque Nationale de Développement Agricole, BNDA. Côté que BNDA t'a gagné pour mission, pour accompagner paysans, accompagner agriculteurs dans divers domaines. Que ce soit dans ça qui gagne pour avec question agriculture, moun ka fè élevage, moun ka fè pêche, pou ba yo plus moyen, prete yo l'argent, mette moyen à disposition yo pou yo ka fè activité yo a fè a pi bien. Mais opposition politique la pa tab janm dou sa nan, parce que yo même yo tap fè, reprenn yo tap krasé brisé dans la rue parce que yo te vle pran pouvoir. Eh bien en 2020, le conseil administration BNDA a monté nan objectif pour te permettre à ce que paysan yo joignent moyen à la disposition yo joignent l'argent prêté joignent matériel adéquat pour yo planter pour yo récolter pour yo créer plus de travail dans secteur d'activité que yo yé hein? Et bien BNDA te mette campé mais avant BNDA te gagné yon l'autre projet que président Jovenel Moïse li t'ap caressé depuis un bon petit bout de temps. Eh bien, qui s'alteye, c'était financement 49 coopératives agricoles. Et c'était BNC à l'époque qui te gagné. Et tout challenge était sous dos Banque Nationale de Crédit BNC, qui te supposé décaisser près de 500 millions de goudes. 500 millions de goudes, yo t'a pral mette fonds ça disponible pour accompagner 49 coopératives yo et yo t'a pral joindre l'argent tout pour yo mettre disponible pour BNDA qui c'est Banque Nationale de Développement Agricole. Banque Nationale de Développement Agricole ça. Nan année 2022 qui s'est passé là, yo s'est fait une journée porte ouverte. Journée porte ouverte là, ça veut dire ça, ça veut dire côté que et yo gen activité yo a fait, paysan yo vini, planteur yo vini, moun ki nan différents secteurs et d'activité ou nan pêche ou nan élevage ou vini pour vini garder est-ce que gen possibilité pour yo prêter un petit l'argent pour yo accompagner ou que ce soit nan ba ou et semences ba ou engrais ba ou toutes sortes ka besoin pour avancer et pour avancer avec secteur là dedans. Mais le président Jovenel Moïse te prend initiative pour le mettre campé BNDA, Banque Nationale de Développement Agricole. Là, te prend pile voye pied. Voye pied pour qui ça t'a fait parce que yo estime depuis après Duvalier, pas jamais gen aucun projet de banque agricole qui jamais rive kembe vre parce que yo toujours dit c'est échec, c'est faillite, yo pas jamais rive répondre avec besoin population. Mais à notre grand étonnement, nous pral réaliser que même le, en parallèle, pendant que le président Jovenel Moïse était venu avec des séries de projets pour l'accompagner paysan yo, mettre banque agricole et support yo ba coopérative agricole yo, mais en parallèle, go ensemble de mesures que l'État prend qui te ka aider, qui te ka permettre que Banque Nationale de Développement Agricole là li pas en échec. Dans qui sens, hier nous parlons, hier nous partageons avec vous en vidéo que Jovenel Moïse, on sort de bagarre, il tape déclaré, on sort de mesures que vous prend. Par exemple, leur te décidé pour augmenter tarif importation, yo mettez plus taxes sur importation. Moun qui a pas acheté produit l'autre bord de l'eau, vin en Haïti avec yo. Leur mettez plus taxes,
Li ta pral permettre que moun ki ap importé produit yo diminuer quantité produit ap importé. Et koun ya le paysan yo aller nan BND a yo prêter l'argent. Le yo aller nan coopérative agricole, yo al acheter semence ou bien yo al prêt pour yo acheter semence avec pi bon marché avec un pi bon taux. Koun ya moun sa yo ki vin ap importé et pipiti en faible quantité, li ta vin un avantage pour paysan nou. Le kounye a gen l'autre possibilité, gen l'autre analyse qui t'a fait sous quantité, sous comment kounye a et entreprise locale yo gros market yo gros businessman yo comment yo t'a supposé kounye a rentrer et en relation avec paysan yo pour acheter dans mes paysan yo nèg yo estomaqué et tout bagay ça l'op analyse l'op pour un petit recul pour garder à proprement parler ensemble de décisions que Jovenel te konn pran lèl te là. C'est qu'on yon pral vin réalisé si toutefois mesure yon te respecte, j'en yon ta dwe respecte. Même le Jovenel Moïse ta gon l'autre mandat, ta fon l'autre mandat, on l'autre mandat, on l'autre mandat, nèg yon tap toujours planifié pour yon assassiner, pour yon touye. Parce que intérêt yon tap toujours menacé. Le qu'on yon a, paysan la kayou, jouen moyen, jouen possibilité pour prêter l'argent, bok agricole yon a fonctionné, coopérative agricole yon a fonctionné bien. Paysan yo nan nord-est, nan nord, nan sud, nan sud-est, nan la Tibonite, yo ka jwenn l'argent. Et te gon usine de production, de transformation, et que président Jovenel Moïse te mette nan ferye, support Taiwan avec administration, lan te jwenn, yo mette ensemble, yo fè yon usine. Et usine sa, ki ta pral gen yon capacité de production de 5000 tonnes du riz par année, li ta vle di exactement ça vle di ya. Nous t'apprends le gain possibilité 1 pour nous exporter du riz pour nous voyer du riz à vendre et dans l'autre pays mais tout connier pays voisin nous République Dominicaine nous gagner du riz n'a produit en quantité en qualité connier nous t'a pas concurrencer nous t'a venir gagner du riz bon du riz pays qui vendre sur marché local pas t'a aucun intérêt d'ailleurs tout monde a fait du riz ou gain 5000 tonnes du riz pas t'a gain nécessité pour aller ramasser malpropre dans mes Taïwan qu'a voyer petit bout du riz ba ou du riz a engraisser cochon avec lui etc. cetera mettre sur marché à pour monde consommer même genre République Dominicaine fait là nous t'a pas répondre avec besoin ça yo besoin primaire ça yo besoin basique ça yo mais malheureusement journée aujourd'hui am dare même mandé premier ministre Ariel Henry bam nouvelle et centre de production du riz à nan ferrier m'dare même tande ki sa Ariel t'ap di m'dare même tande ki sa actuel gouvernement ça t'ap di donc journée aujourd'hui ki sa m veut nous comprendre bataille pour production pour relancer production et nationale relancer production agricole en dedans la république c'est pas seulement en question de faire canal n'a fait canal c'est pour canal n'a fait canal sans camper pour nous joindre de l'eau. Mais tout, c'est joindre des séries d'autorités qui gagnent dans figure, qui gagnent colonne vertébrale bien douette. Vous comprenez? Qui a campé, qui a dit République Dominicaine, nous pas prendre mal propre dans moi encore. Qui a campé, qui a dit importateur, des séries de gros business en Haïti, seulement ça yo propre, seulement ça yo fait, c'est acheter produits dans le pays, pas accompagné, pas encadré, pas encourager production nationale la caille, c'est fixer en barème, c'est fixer, reprendre, faire la part des choses pour dire bon, ok, pas de problème, 60-40, 70-30, importer 30%, 70% c'est un dans pays pour acheter, c'est un dans pays pour encourager production nationale. Tout ça, yo, pour nous relancer production agricole, la production nationale, tout ça, il faut nous mettre par A plus B sous papier. Il faut nous battre contre eux. Parce que je ne veux pas nous faire corvée, je ne veux pas nous faire corvée. Moi-même, je veux, ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, n'a produit du riz en quantité, n'a pas exporté du riz, n'a pas exporté tomate, n'a pas exporté mango, j'en ai qu'on fait là, n'a pas exporté plus jou, mou, comprendre, militon, bérégène. Nous capables, nous guetter pour ça. Nous gagnons de l'eau pour ça, de l'eau pas pour Abibi seulement. Nous gagnons de l'eau pour ça. Donc, c'est joindre moyen de financement pour paysans. Nous, tout ça, c'est important. Et le Jovenel Moïse te vina avec lui, te commencé avec lui. Nèg yo te wa nécessité pour yo touyel, nèg yo te wa nécessité, ou comprenne, pour yo sale caractère li, détruit caractère li. Jout nan moment nou yé là. Eh bien, en parlant de détruit caractère président Jovenel Moïse, en parlant de assassinat de président Jovenel Moïse, eh bien, hier, nous apprenons, et gagné
ancien président Michel Joseph Martelly et alias le parrain sinon carrément le comme ça et bien Martelly gagnait pour lui al passer audition li devant juge instruction et qui a pensé aussi assassinat président Jovenel Moïse en Walter Wessel Voltaire. Nous connaissons en dedans la République, nous connaissons et dans pays pour un pile compatriote haïtien qui a des séries de monde qui est contournable dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et là, nous avons dit que le dossier en sont très bonne voie. Même Jean pile haïtien a dit pour qui ça date ça, il pas attendu jugeant et attendu invité et Dimitri Vob. Yo pas invité des séries de l'autre monde tant qu'on Martelly etc. Bon c'est son début quand même son début parce que des séries de monde et opinion publique là clameur publique là directement yo gen pouwe avec assassinat président yo gen pouwe avec complot qui mène assassinat président Jovenel Moïse donc le juge d'instruction a décidé tande moun sa auditionner moun yo poser aux questions dans sa yo konnen dans complot président Jovenel Moïse. Et c'est une bonne chose. Nous espérons que la justice a triomphé. Nous espérons que lumière a fait sous dossier. Nous espérons en Haïti, si dossier a pour recevoir barricade, bien boycott, bien toute manœuvre dilatoire qu'a fait pour lumière parfaite, pour monde qui t'a supposé réellement inculpé dans dossier, pas inculpé, eh bien, tribunal international, il faut que l'imité campé, il faut que tôt ou tôt nous connaissons réellement qui quantité moun qui impliqué, qui quantité l'argent qui dépensé dans le complot pour tout gagner ancien président et Jovenel Moïse. Et maintenant, nous allons faire place avec ancien DG la police, Mario André Sol, qui lui-même, avec un pile frustration, avec un pile émotion, a bay position li suite après et décision que Conseil de sécurité Nations Unies prend pour déployer une force multinationale en Haïti. Eh bien Marion André Sol j'aime te dire nous déjà quitté là en 2004 quitté vive déploiement et ministre en 2004 pendant le directeur et dans la police. Donc jeudi en là quelques années après, c'est ça, c'est même scénario, même histoire qui reproduit. Eh bien, comment Marie-André Sol comprendre, qui conseille, qui ça l'a pour encourager les policiers, aux soldats, la médaille, au fait un moment là, en nous quitter, et Marie-André Sol répond à la question. Le principal que nous avons commenté avec vous, c'est la décision du Conseil de sécurité après hier pour lui envoyer en Haïti une mission d'appui à la PNH, Jean-Daniel Sodilla, et la résolution pour supporter la police dans le cadre des opérations à faire et de renforcer la sécurité en série d'installations sensibles. Et troisième étape là, c'est aider à renforcer la capacité opérationnelle PNH. Et il y a les États-Unis qui ont annoncé 200 millions de dollars américains, 100 millions capsotis dans le département, 100 millions en défense, donc Pentagone. Donc, ce sont les militaires qui ont en charge 700 millions, si j'ai bien compris. Maintenant, sur le terrain, nous avons envie de comprendre comment ça va le transmettre. Et avec vous, on a essayé de regarder premièrement et son base comparative, l'autre directeur général, Minusta Tela, qui ratio policier population Tela, qui quantité membre Minusta qui c'est composante policière et composante militaire là qui est à disposition dans des cadres opérationnels en attendant et des informations sur qui quantité et monde cap dans mission ça que Kenya a leadership là qui ça t'a doué fait mieux pour que gagne un rééquilibre de la situation et sur le plan sécuritaire en attendant nous t'arriver dans démantèlement et reprise de contrôle des espaces je dis là qui dans main gang qui a fait population et monter le ciel pas d'eau et deuxième étape on va aborder avec vous qu'est-ce que cela doit vouloir dire le renforcer sécurité est-ce que ça a veut dire automatiquement un renforcement de rayon de périmètre et sécurité autour de l'installation et troisième étape là c'est le renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti d'où nécessité là pour nous commencer à poser des questions sur qui ça nous-mêmes en tant qu'haïtiens a fait et la mobilisation de ressources pour le renforcement des capacités de nos propres forces de sécurité. Voilà le petit plan que je me propose et bien entendu des relances et des questions spécifiques de mes collègues viendront. Maintenant, M. André Sol, et le ou même où tu as à charge de la police nationale d'Haïti, comment réalité a-t-il sur le terrain l'armement des bandits, ratio police-population, armement des bandits et quantité casque bleu et policiers
des Nations Unies qui étaient disponibles pour opération et qui étaient approchés en termes et opérationnels, qui étaient bon au certain niveau de résultat. Bon, ouais, ben là, on peut battre là. L'oublier, excusez-moi. Moi-même, je pense que dans le cadre ça, je ne peux pas oublier dans le contexte que je me pour la direction générale de la police là. C'était après 2004. Donc, on m'a gagné un prédécesseur qui était gagné politique par lui, dans ce sens-là. Et l'homme divine, pendant 2005, nous déconnaît comment la situation était. Et m'a fait un bref historique de la situation en général dans le Sindado en termes de positionnement dans l'époque, ça n'a pas oublié la situation. Ou te gagné dans quoi des bouquets ti li dans zone meilleure qui t'a pas problème qui t'a pas kidnappé mon météo dans rage si j'ai bien et nous songe tout pour problème qui te gagné dans cité soleil dans Belécou avec Ben Sikoutou donc on bonne te gagné Belloni quoi une fois une zone pour Jadouia ou bien te gagné chaque technique qui te gagné de chaque côté ça autour Gravine Tibois était toujours en conflit dans l'époque ça. Et tu gagnes tout, le village de Dieu pour comparer comme si d'adou en termes de comme si d'adou gagne bank qui est arrivé à Dani, mais moyennant, tu es toujours gagné vini et tu es toujours constitué. Il y a un côté qui est à l'époque qui a fait émergence et de on base. Donc ça devient peut-être comme ça, et dans Thomasin, Keskov et sous la boulade, dit concernant Gaskov, je me souviens bien, qui t'a kidnappé mon nom. Donc c'est possible parce que moi, je me fais, et dans Simon Pelin, des gentils blancs. Et c'était presque et même petite configuration. Hein. Sauf que je dis, monsieur, il y a plus. Il y a plus de capacité, il y a plus des armes, il y a plus de facilité tout pour avoir des munitions. Donc ça, c'est un bref historique qui a été fait de configuration terrain dans l'époque que je prends et la police là. Donc, le mine brani, effectivement, donc tu as une zone de droit, on ne peut pas être de droit, c'est le côté où tu as passé. Et le ça, c'est qu'il y a des problèmes pour la chaudale, ou qu'il y a des gens dans la police, et des entités dans la police, qui ont des missions spécifiques, qui ont des déconnectes, pas de police à un moment donné. Donc, c'était vraiment un spaghetti, donc il faut nous sortir là-dedans. Donc, époque ça, effectivement, la police n'a pas été en pile, nous avons des policiers qui ont pris l'initiative, par eux-mêmes, après, justement, le départ président d'Aristide en 2004, pour être capable, bon, moins, qui aime décontrôler la situation. Hein, et, tu as une idée partant que tu as un manque de leadership dans un moment qui vient de faire que tu as rempli le policier tout, qui était et poste là. Bon, même si je me dis pour la police là, 5 000 ou bien 6 000 monde, dans un moment ça, le ministre était en déploiement. Il n'y a pas oublié, en 2004, tu as une première force et des informations que tu as faites, qui étaient balayées terrain en attendant que le ministre soit venu. Et le ministre est venu, effectivement, moi, je suis un ministre là sur terrain, tu as travaillé avec la police. Aussi bien que tes opérations que tu as faites avant même que tu es venu en la Cité Soleil, les opérations de Edgardville et autres, c'est pas tout le monde, il y a après. Donc, nous sommes venus dans une situation où nous sommes obligés de changer de données et pour nous avoir au moins une perception de la sécurité. Je dis au moins une perception parce que définitivement, la sécurité, c'est parce que ça lié. Donc, nous sommes arrivés dans une situation où nous avons gagné un problème, ça, j'ai été présenté. Donc, nous avons nous déconsidérons notre approche simplement. Ratio police-population, dans le moment, je ne pas songer qu'on va le payer. Pourquoi il y a 10 millions de monde, nous avons 6 000 policiers. Donc, au café, le café et des comptes là. Donc, je dis, il y a beaucoup, il y a peut-être une bout de 10 000 pour habitants. Donc, il vient de faire que nous toujours en position de faiblesse. Moi, je suis allé. Moi, c'est dommage que nous vivions dans la phase ça. Je dis, dans et affaire pour notre intervention étrangère. Pour venir aider nous. Même si j'ai 95 voté là, c'est moi qui suis le commissaire Pétionville, le troisième pour Bosch l'a déployé. Même si j'ai interagi avec monsieur qui était en charge pour battre pour déformer la police là. Et on m'a dit le clair, après 10 ans, ainsi j'ai appris, c'est comme ça le bras. Donc effectivement, en 2004, il était obligé de retourner encore pour nous pour décapoter, support par la police. Et qui s'est passé encore, après le ministre, ça fait 13 ans ou 12 ans sous terrain, ou venir ensemble de bureau intégré et autres, bien juste et autres, qui vous dit à nous oublier dans la phase qu'on a demandé ou étranger ou venir. Nous allons aborder l'aspect ça tout à l'heure, mais quittez-moi retourner dans le côté pratique et opérationnel là, nous partageons avec vous information sur ce qu'a été le ratio police et population, qui quantité casque bleu à disposition pour opération, et je dis pour avoir
un certain niveau d'efficacité en considérant, par exemple, le dernier rapport de Mme Salvador au Conseil de sécurité, il dit que sur un effectif d'un peu plus de 10 000, il y a 3 300 policiers qui ont des tâches de sécurité et à proprement parler. Maintenant, aujourd'hui, et qui quantité et policiers ou militaires ont force d'appui à la police nationale d'Haïti à gagner pour que gagner un début de changement dans le rapport de force sur le terrain, M. Anderson? Bon, moi, ça va dépendre de l'agenda, monsieur, parce que je ne sais pas. Moi-même, en tant qu'on est qui dépasse la police déjà, bon, qui a une certaine expérience de question, je me dis qu'on approche déjà et vision, c'est pour ne plus pas. Mais en pour eux même pas connait et agenda yo et pas connait qui sens tout vous voulez et aider à bon moi me dit non premier temps moi me des bon oui j'ai été fait et me quoi c'était la conférence internationale avec les pour celui pas cap verbaliser à moi te dit nous gagne deux options avec sans intervention à côté que nous pour le faire citoyen yo participer dans production sécurité à bon on dirait les lois pour citoyenne à l'insécurité et deuxième option c'est avec les forces étrangères yo. Mais pas oublier, avant de revenir dans ça, m'a dit, il y a une dynamique dans la question quand même. À chaque fois, il y a un momentum qui est présenté, et chaque fois, il y a des fenêtres que nous-mêmes, nous avons agir en tant qu'haïtiens, nous avons au moins répondu et créé la sécurité là. Mais malheureusement, nous avons fait un mauvais choix, ou bien nous avons été en non certaine léthargie, que nous n'avons pas une approche et stratégique tactique, qui vient faire que comme si je dis, nous avons pas le terrain, nous avons le terrain sous nous. Et pour nous tourner avec ce que dit, effectivement, même dit, ouais. Après, pour citoyens dans la sécurité, à côté qu'on n'a pas impliqué citoyens, avec toute institution, et à partir de, il y a un cadre légal pour lui, nous avons impliqué les militaires là-dedans. Donc, qui t'avait, ça, c'est la première approche. La deuxième approche là, c'était, ok, nous t'avons dû une force dissuasive, nous avons une force de dissuasion, de telle manière que la police, là, lui-même, des entités en dedans, qui t'a lutté, qui t'a lutté contre les marmés, non, c'est de base. Donc, faut dire, c'est à l'agonia, t'as pas confiné, justement, toute gang, une position par en attendant que la police, lui-même, la police, lui-même, pour là, choisit, agit, une après l'autre, et pour démanteler les réseaux, ça, yo. Et, moi, c'est pas trop difficile, d'un moment, hein, l'aime des propositions, hein, parce que, justement, nous voulons arriver dans la situation de dégénérer, ça, nous, là, dit, hein. Tout ça, mais d'où vous dites, donnez au changement encore qu'on y a, tout son approche lié. Et vous regardez même dans les premières missions Kenya. La police nationale d'Haïti qui a une capacité lui-même pour faire opération et démantèlement. Maintenant, question spécifique, nous avons posé et après ces réponses-là. C'est jeudi à bien qu'on a côté fait cartographie, si vous voulez, de la situation là où même on était là et des positionnements et des places fortes contrôlées par les bandits. Aujourd'hui, il y a des rapports nous lit qui indiquent qu'il y a un contrôle et d'une large partie de capital là. Et il y a des gens qui même avant ces chiffres et 80% dans les documents et produit. Maintenant, pour appui opérationnel à la PNH et 2000 et policiers kenyans ou 1000 policiers kenyans, et est-ce que faut gagner des militaires avec eux compte tenu de situation qui est sur le terrain, nous gagner des groupes armés qui gagnent une puissance de feu qui augmente au fil des ans, et c'est des officiels et de Department of Homeland Security l'an dernier qui dit que une augmentation de flux d'armes qui a rentré, ils ont même gagné, par exemple, des calibres M50 qui ont certains niveaux KPC, certains niveaux de blindage. Maintenant ça, en attendant que nous vous disions qu'on a une motivation, nous t'en départis ça, mais maintenant ça, de manière pratique, à côté de UTAG, de BRI, de SWAT, et qu'est-ce qu'il nous faudrait de capacité, en termes de capacité opérationnelle, d'équipement de la part de cette force de support pour que sur le terrain que bon début de changement de rapport de force en faveur des forces de l'ordre et de la population. Bon, et dans cas ça, pas oublier Kenya lui-même son pays lui-même qui dit la dirige mission, il dit bah mille monde. Et il y a un autre pays tout qui n'a pas beaucoup spécifié qui quantité de monde y et qui qualité de monde y tout. Et c'est sûr que quand il y a là, ben, il y a changé, il n'y a pas seulement une composante de police, parce qu'il y a difficile de faire la police pour la caillou, en réalité, qu'il n'y a pas connu. Mais il y a un militaire dans de toute façon. Il n'y a pas combien d'Espagne y a, il n'y a pas combien de Mexique y a, et qui qualité de monde y tout.
Donc là même parce que j'ai dit tant j'ai prématuré pour nous dire bon et force là mais combien a besoin mais qui sera besoin mais qui entité de besoin. Bon moi même l'époque jusqu'à l'année dernière moi même dès qu'on a besoin et puisque situation pour évoluer comme ça entre 600 moun qui était venu de la police là pas oublier l'époque il était gagné bah que bloqué autre même des moments ça c'est ça c'est ça pour moi le demander. Parce que bon ça va dépendre du commandant tout qui stratégie qui s'allave et qui s'allave le donc je vous dis à qui sont besoin qu'on y a pour être capable gagner pour être capable gagner et on serait l'amélioration la situation ou bien un renversement de situation en matière de sécurité donc nous identifier côté et monsieur déjà non nous devons penser donc dans le niveau intelligence la police là tout donc ça veut dire qu'on est capable de qui capacité de gagner en armes et en munitions, en effectifs, tout de chaque côté, et de façon qui leur permet d'agir. Donc, moi, je pense que ces informations, ça a eu des vitales pour monsieur étranger qui va venir. Et puis, c'est à partir de là, des assessments qui ont fait ce que les gens qui ont dit, bon, mais qui approche pas le bien pour aider la police dans ce sens-là, et pas oublier. Et puisque nous avons un problème de déficit, ça, dans le niveau et rapport nous avec l'international, là, en termes de qui ça a besoin. Donc à ce moment-là, qu'on y a là, c'est occupant qui va si nous manquons pas bail ou ça pour nous pas expliquer, on pas bail information, on pas bail ou et puis pour nous dire mais quel type d'aide nous avons besoin dans telle situation. Donc libre bail était carrément c'est quoi prendre, il quoi prendre libre là, c'est ça que et d'ici à l'heure de déployer à tout à tout, par contre comment situation sécurité là va évoluer qui va nécessiter encore on autre forme d'approche ou bien avec l'autre type d'intervention et bien l'autre type du personnel tout. Bon, de personnel. Maintenant bon point, deuxième point à aborder là. C'est que gon composante n'ta ka dit d'intervention non dynamique statique ou en fait on va dire non dynamique statique parce que c'est y contradictoire mais gon des forces statiques yo prévoit déployer pour renforcer sécurité autour d'une série d'installations et stratégiques des installations économiques notamment. Maintenant et partant de principe de vouloir sécurité des installations et ça veut dire des voies d'accès, ça veut dire possibilité de relève, ça veut dire renforcement de points que la protéger, est-ce que ça cavle dit tout renforcement de sécurité non rayon en 100, 200, 300 mètres autour d'installation Sayo Mario Anderson? Bon, moi-même, c'est là encore, moi-même, c'est prématuré, c'est pour lui-même, le cas traduit, le cas traduit sur terrain, qu'on y a là, besoin, par exemple, comment on va le déployer. Donc, qui qualité moun y a voué tout, pour qui type de, d'unité ou pas le voué tout, qu'on y a pour protéger installation statique, ça y est. Mais, yo, c'est sûr que qu'on y a installation statique, pour protéger installation statique, il va policier. Là, mais, de voir, n'est-ce pas, non, c'est du bagaille. Mais là, tout, même pas, c'est le secondaire, tout, il va avoir un problème qui est posé, problème de sécurité posé, en termes de démantèlement de bandits armés, ou dans Fief, ou bien dans Bajo, côté, oui, hein. Donc, à la vérité, si effectivement nous-mêmes nous mettons des ressources nous à la disposition, nous pouvons peut-être pas non. C'est pour nous pas trop compliqué, non? Au point de vue et stratégique et tactique, nous devons arriver avec. Nous devons éviter d'arriver là, tout. Oui. C'est un problème déficit qui fait, vous dire là, nous obligons à prendre les négos pour une balle au coup de main. Donc, pas quoi nous gampir ou gampir bataille pour faire, non? Si on regarde des bagarres en profane. Donc, bon, ouais, la soirée est compliquée, mais si on regarde avec des yeux d'experts ou bien un monde qui dehors, qui compte bagarre là, c'est pour moi qui est trop compliqué, il suffit qu'on y ait là, pour nous avoir une bonne mesure, qui peut être aidé nous pour y résoudre le problème. Donc, je dis à qui ça, et département tactique, et souci tactique, et stratégique, et souci stratégique, l'État, et autre qu'on y a là, au sein des côtés. Bon, c'est pour faire qu'on y a là, ça a l'air dans le cadre. Ou est-ce qu'on est normal, oui, c'est ça dans l'opération normale. Avec du Sénégal, vini qu'on y a là, qu'on sait de zones qu'on contrôle, qu'on contrôle pour eux. Justement, la problématique veut, justement, que certaines, pour ne pas dire la majorité de ces installations, sont en dans des territoires qui sont contrôlés par les bandes armées, Marie-André Sol, ce qui pose problème accès et leur faire relève, renforcement de points stratégiques. Ça, est-ce que des policiers à proprement parler qui rentrent dans le schéma ça, ou bien c'est des militaires Jean Abdelala? Donc, c'est ça qui fait paraître un petit genre problématique pour les zones initiées. Non, il va problématique si vous avez une force qui doit venir de vous là. Pas vrai, dans ce ça. Et puis, il choisit qu'on a pour la défendre et pour le protéger aussi du site stratégique. Là, il y a des frais de gaz, là, il y a des points, 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 il
Donc, m'a pas parlé de logique qu'on y a pour aller faire confrontation, pour aller faire confrontation avec gang coup de mal sérilisé, non? Là, je vais venir à déplacer. Si on va faire deux démonstrations. Si m'a fait démonstration de force qu'on y a mis avec matériel, il m'a fait équipement possible qu'on y a là. Dépasser ou bien surpasser puissance de feu éventuel que Badabi ou Kagi dans son nom, qu'on y a mis à passer Bakogène qui va aller dans la bataille, non? Ça, c'est conséquent d'approcher ça. Parce que, la vérité, qui ça fait, qui tout problème ça? Parce que, pas de réponse. Si des réponses, si vous voyez qu'on est réponse avec des problèmes, il y a des réponses, des réponses, mais les réponses ne sont pas organisées, je ne peux pas organiser, de façon à ce qu'on a pour Québec, et en respect. Donc, je dis, c'est un problème déficit en santé ou un problème, c'est un problème de sécurité, ça, c'est un problème de structure de sécurité, déficit tactique, et force de l'audio, stratégique, force de l'audio. Donc, l'équilibre de la terre, il est d'abord psychologique, si vous me comprenez, d'abord de force ça. Non, non, ça se peut, il a donné tout. Il a donné tout. Et puis, c'est pour ça qu'il y a une guerre psychologique qui va batailler avec l'ONU pour l'adversaire, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une guerre psychologique. Il a donné, mais là encore, il n'y a pas qu'il a posé gros problème. Si moi-même, par exemple, bon, moi-même, je dis que j'ai une guerre qui va le faire, par exemple, il y a une bagaille, une opération qui va le faire. Et puis, il va prendre tout le matériel, toutes les ressources, je vais mettre pour me faire opération, je vais faire, et pour me faire à objectif que bien le faire. Donc, c'est simple que ça. Donc si c'est, okay. si c'est 2000 monde pour rien, marché 2000 monde pour rien, et puis on va avoir tout ça pour rien pour entendre l'information, et chaque nègre a connaît qui est ce qu'a fait qui ça, pour arriver avec à objectif là. Vous faut donc il y a sauter avec pas pour lui, les raisons de plus qu'il y a pour toutes précautions possibles et imaginables et aller même au-delà même de ce qu'on a imaginé pour non seulement sécuriser troupes par tête par yo, et puis remplir mission que vous venez remplir. Donc, depuis qu'il y a une volonté politique, qu'il y a des moyens opérationnels, qu'il y a des réflexions stratégiques qui font, et c'est nous sérieux, vrai, dans renforcer capacité capacité opérationnelle et dans assurer sécurité et installation stratégique, c'est possible que qu'on chiffre de rapport de force sur le terrain, malgré le sol? C'est pas rocket science. Non, même, bon, je sais pas, même clair sous question. Il n'y a pas et quelque chose n'est pas déjà lié. Ou l'on gagne responsabilité qu'on y a ou bien sécurité, tout le monde moyen pour sortir. Ça veut dire qu'on a un grand pile moyen pour faire, mais il faut un maximum avec minimum. Non, mais c'est comme ça, moi. Donc, je dis à la, si, et qu'on va pas aider, c'est pas seulement volonté politique, mais soit qu'on a tout qu'on y a tout, au niveau technique tout qu'on y a, faut une capacité pour nous répondre. Faut une vision qu'on y a, faut une qui à côté nous dériver. Si par exemple, et les gouvernements viennent sur le terrain pour nous aller voir, ou pas, mon qui va là, interlocuteur va là pour dire, mais ça n'a besoin. Même gens pour ne pas faire même erreur avec la police en 95, côté que nous dit blanc ballon police, gros bonhomme boulard qui dit bon, mais qui ça a besoin pour réalité pas dans la rue là. Mais ça. Mais ça, c'est nous pour dicter, nous n'est pas blanc pour une manou, non? Nous devons être dans le bain, nous connaissons pour nous dire blanc, et de nous, et puis nous connaissons pour nous dire blanc, mais nous connaissons. Mais qui ça? Blanc, et nous connaissons pour nous dire blanc. Finalement, il va y avoir un problème pour essayer une bonne solution, ou même pour pas gérer après. Et quand nous faisons avec la police, ouais, problème. À nous prendre le troisième aspect, qui c'est renforcement de la capacité opérationnelle de la police. Nous faisons des discussions avec vous déjà là, côté où même vous dit, au niveau normatif, d'abord il y a des réflexions pour faire. Si nous arrivons au côté pour que gagne une fusion qui fait entre des éléments de l'armée à l'intérieur de la police nationale de l'Haïti, ou bien pour évoluer pour une colonne de formation par rapport à la réalité sur le terrain de guérilla urbaine pour que les policiers aient cette formation classique guerre de maniement d'armes de poing ou de fusil d'assaut, en tout cas, rarement fusil d'eau ou un fusil d'assaut, ceux qui viennent incorporer parce qu'ils ont besoin. Réflexion, ça, est-ce qu'on croit faut qu'il y ait action, qu'il y ait comité sur ça? Et deuxième question, et c'est lui-même qui est très important, c'est pas la première fois qu'on parlait de ça devant, mais c'est la première fois qu'on a échangé là. Qui ça, Haïti, en tant que pays, qui a vécu cette flétrissure, parce que c'est ça lié, que nous obligés à demander aide pour venir aider nous encore une fois, assurer les questions de sécurité et publique et de sécurité nationale. Parce que nous tous, comme ici, faut nous dire, nous honte que nous vivons là. Mais maintenant, quelle leçon doit-on apprendre pour nous sortir d'un cycle de honte? Et ça, pour finalement, pour nous dire, cette fois-ci, nous devons réfléchir, avoir un plan, avoir un budget, avoir une ligne budgétaire, avoir des taxes si c'est nécessaire pour mobiliser des ressources conséquentes et pour être sérieux dans le développement et renforcement de nos forces de sécurité, PNH, l'armée, ou bien, j'en ai fait fusion. Il faut quoi, c'est de qui sous table discussion, nous, en tant que pays, table discussion, moun qui a fait politique, qui soit sous pouvoir, ou qui en vivent sous pouvoir, ma grande.
on prend une baïon pour prendre la première parce que maman m'a perdu parce que m'a dit pour poser une question là m'a qui bien être comment on dans la première pour tout ça sous des parler là c'est qui ça dit ou dit ou bagaille est-ce que parce que non premier point je dis là nous ouais et ouais tu fait yo et en termes de renforcement capacité et opérationnelle et de la police. Est-ce que je dis au niveau normatif, bon travail que vous faites pour nous dire, est-ce que n'a merge la police l'armée? Si oui, n'a merge la police l'armée, quand le faire, comment le faire? Premièrement. Et deuxièmement, pas gagner une force de sécurité sans mobilisation de ressources. Est-ce qu'il faut qu'on ait des taxes pour que nous gagnions un plan de développement et renforcement de nos forces de sécurité? Deux questions. Et gain des réflexions pour faire ou bien faut agir sur ça tout vous comprenez là parce que c'est vrai que la police a les cadre légal et que vous nous connaissez au dalle en petite faiblesse ni qu'on y a les mérités comme si ça doit renforcer ou bien modifier pour nous parler de cadre légal là pour la police t'as entré dans cadre là mais même effectivement moi je pense que je dis là faut que nous parler de reformatage ou de reconfiguration du gouvernance sécuritaire là en Haïti. On va arrêter dans la même conception exclusive de la sécurité quand on a une grande force qui a pris tout second, tout aspect dans la sécurité. Donc c'est là même, c'est tout pour nous dans ça. Ça veut dire que plus que comme si nous avons ça, je dis à la, qui montre clair que comme si nous avons une faiblesse, une défaillance et une structure. Donc, nous repenser là. Et repenser là, effectivement, même penser, et faut que nous gagnions un bagage qui est adapté à la réalité, pas non. Faut que c'est nous-mêmes haïtiens, je dis à Chita, qui dit qu'on est à redire, mais qui s'en a besoin pour payer. Les gens parlent avec les étrangers pour nous dire, ok, nous t'arrêtons, mais nous, il y a une sens là, un, deux, trois, quatre, mais vision pas non, en tant qu'haïtien, de réalité pas non, sur terre, pour pas faire même bien avec, et en 95, côté que nous créons pour ça pour ouvrir, ou bien l'information hybride, si nous n'avons pas parlé, on finit sur pendant pour 6 mois, et puis vous l'avez négocié sur le terrain pour nous là, ou moins de pour ouvrir la sécurité. Donc, pendant 28 ans, l'Igène là, qu'on y a assez sincèrement là, fait, donc il n'y a pas de résultat pour le bas là. Donc, je dis à me passer pour nous réformer, il faut que nous configurer et gouverner la sécurité là. Il passe par qui ça? Il passe un, pour moi-même. Kounia la Rodia, nous avons un problème, nous pas qu'à y assez l'argent pour nous mobiliser pour nous faire une bagaille. Fusion, nous avons parlé de forces qui m'ont dit pour nous joindre l'armée avec l'élément armée ou avec l'élément la police là, en dans une seule entité qui va brûler ni l'armée, qui va brûler ni la police, qui va brûler nos forces de sécurité et de défense haïtienne. Ça dépend de ça nous choisit. Mais là, ça qu'on là, en deux fois ça, on parle des unités spécialisées qui parlent aussi de la prévention purement militaire, avec des bases spéciales forces, tout ce qu'on a gagné, et puis qu'après contrôle frontière terrestre, maritime et aérienne, et normalement. Donc là, ça qu'on la force à lui-même, on parle de besoin, et unité ça, il peut le dispatcher au moins sous 5 départements, Grand Nord, Grand Sud, une Latibonite, le bateau central, et puis une Port-au-Prince. Donc le sakounien là, on va le permettre dès que ça mobilise dans la base. Yo, les problèmes de sécurité nationale, ça a posé, j'en pose aujourd'hui là, avec ce qu'on a pour la bataille et contre Bandamé, et ça a sorti après ça qu'il faut faire. Donc l'autre unité, dans l'autre cité à lui-même qu'on a, il a là pour affecter à l'état de sécurité publique. Je vois la police là qui fait là, et il faut nous exposer de même structure. Sauf qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de bataille qu'on a, mais avec toutes les structures qu'il y a, qui va le jouer notre force qu'on a là, et puis on va brûler les forces de sécurité et de défense haïtienne. Bon, même là, on même pensé que c'est nécessaire pour aller, et pour qui ça tout? Nous pas quoi faire le dos par au Conseil national de sécurité qui pourrait optimiser, coordonner toute action, organisme qui a participé dans la position de sécurité, la douane, l'immigration qui va suspendre, fonctionner là. Et puis, qu'on y a un fou la douane carrément, participer dans la position de sécurité pour alléger les tâches, les unités qu'il a pour la sécurité publique. Donc, c'est tout le projet. Outil parce que nous-mêmes, nous avons des capacités pour ça, des compétences pour ça sur le terrain. Sauf que nous n'avons pas appelé avec eux. Nous avons été dans le même bagage, on a fait politique pour l'autre, qui vient faire dire que nous avons oublié après les blancs encore. C'est le résultat de mauvais choix, nous. Mauvais choix politique, mauvais choix tout au niveau politique, et mauvais choix tout au niveau technique, stratégique et autre. Je dis après ça, que tout policier qui est affecté, non, seulement qui est affecté à sa sécurité, parce qu'il faut que nous baillons officiel de sécurité. Mais là encore, les gens pourraient du problème ça. Sans que vous ne pouvez affecter un gros effectif du personnel policier qui est là pour la protéger et servir. Donc, si un modèle ça n'a pas réussi avec les gens qui ont depuis 28 ans, donc, pas pour ça, nous oublions si c'est la dernière. Mais non, Mario Dessol, et avant de dire question, c'est que
ou t'es directeur général, ou Dili, ou t'es commissaire Pétionville, ou t'es l'homme, commissaire Pétionville, DCPJ, et directeur général. Et depuis plusieurs décennies, c'est clair, et tout le monde ouel, que le pays a vivant ensemble de convulsions politiques, craser l'armée et stock et munitions on parti là d'ailleurs retrouver dans mes des monde qui pas gain qualité légale pour gagner. On a revécu la même expérience au départ du président Jean-Bertrand Aristide en 2004. On a vu le renforcement du trafic d'armes et de munitions. Nous ouais rôle des éléments de la diaspora jouer, nous on est porosité frontière là avec la République dominicaine et qui quand c'était équipement létal les armes et munitions qui a rentré la dernière, nous connaissons le rapport qui était entre des bandits au niveau du sud et des réseaux de trafiquants de drogue et échange de drogue, armes, etc. Et ou très au courant de tout trafic. La réalité est que Haïti est un plaque tournante de cocaïne qui a sorti dans les pays de l'Amérique latine pour aller en République dominicaine. Et il y a une logistique criminelle qui bénéficiait de statut d'État failli que le pays nous a gagné. Donc, Nabouma Djabzayo, c'est le grand banditisme. Nous gagnons des politiques qui chevillent avec eux. On l'a vu, malheureusement, et pendant la dernière année, ça y est. Et, Marandé Sol, pendant que nous avons l'aggravation de la pauvreté qui vient de son source, qui a beau, mais vraiment, ou claquer d'où est tout la bord des jeunes garçons, jeunes femmes qui parlent pour grands âmes, parce qu'ils ont des motivations économiques pour faire ça. C'est ça le tableau global qui est devant nous là. S'il faut agir sur ce tableau global et de manière stratégique, parce que moi ça vient dans bouche souvent, comment on t'a conseillé pays, élite politique, élite économique qui est encore saine, élite politique qui est encore saine, monde dans la société civile là qui progresse ici, qui a passé pays, si on a un task ça devant, un job ça devant, et comment on t'a approché, mais c'est la dernière question avant de vous fermer l'interview. C'est tout le temps la problème de gouvernance, oui. Le problème de gouvernance qui bat tout le problème qui pose la redire là. Donc, c'est vrai, depuis la décennie, nous avons la dirigeant, nous avons fait un mauvais choix. Et des choix qui allaient dans l'avantage par ou bien l'avantage groupe ou l'avantage clan, et bien l'avantage pour l'intérêt collectif là. Donc, le problème de gouvernance là, si le truc vous posez, tout le monde problème ça. Donc, il faut dirigeant politique ou bien les gens qui ont dit, mon classe élite et qui s'en toujours. Donc, il faut qu'ils prennent disposition redire là. Ils disent, bon, ok, paye ça. Mais dans qui sens nous voulons mener? Ça veut dire que nous avons un monde qui connaît, qui a aidé dans sens, et puis nous avons un coup de main. Ce n'est pas notre politique, nous avons un petit combat à gauche, un combat à droite, et puis nous avons un petit peu de force dans notre de bagaille. Même comme je dis encore, même quand nous avons un moment bénévole à nous, ça veut dire que nous avons un pays Haïti, nous avons un petit deal, depuis que nous avons un avec Haïti, nous avons un petit peu de gratis, chérie. Mais aucun problème, aucun monde pour ça. Donc ça veut dire que si tout le monde a fait une logique à nous, on dit que des dirigeants qui doquent dans le fonds bénévole pour 5 ans, pour nous avons un pays à Zouraï. Mais c'est au moins, laisse la traduit patriotisme. Mais si nous étions là, nous avons dit des bagages et nous avons des idées. Ce n'est pas que nous avons des idées, nous avons des idées. Tout le monde est là et puis nous avons utilisé comme ressources. Et puis nous avons dit que nous avons la force politique, nous avons pour nous qui sommes à l'écart alors qu'il n'a pas de mon intérêt politique. Mais je pense que, effectivement, le problème de gouvernance, là, il faut le poser de manière globale. Et il faut commencer depuis notre tête l'État. Pour par exemple, hein, transparence et autres, et puis pour dire qu'on est à côté pour l'IVA, hein, sans rien passer, sans coup bas. Même si c'est comme ça, moi, c'est politique pour nous changer, c'est politique qui met dans l'État niveau de là, c'est politique pour changer, et qui est exposé politique pour nous, c'est n'est qui candidat, qui va le clip, qui va dans le l'État, qui est installé comme président, et puis pour nous, tout le monde politique. Nous avons une politique publique de sécurité. Mais les bandits légaux, les gens qui ne trafiquent de drogue, financer candidat, les gens qui sont contre l'État pour prendre le contrôle de l'État, et détourner ça, c'est une bonne chose, oui. Balizio, c'est nous pour être Balizio. Balise, je sais, nous avons dit que 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 nous avons dit
longtemps l'aime des labs dans le CPJ par exemple, les nègres ne passent avec vous, qui ça vous fait? Ils créent des troupes de zone. Ils avaient des problèmes bloqués, ils n'ont pas de l'eau, pas de lumière, c'est saleté. Mais quand ils sont là, ils ont tout le bagage à disposition pour qu'ils soient là. Ils utilisent gang d'accès. Ils utilisent gang. Donc quand ils sont là, ils n'ont pas parlé de la zone. Ils ont dit qu'ils sont là, mais pas zone noire pour le trafic à couler, facile pour aller dans un côté pour l'aller. Donc ça le posait comme problème. Mais quand il y a qui forme mieux lutte, quand il y a comment une bataille contre bagage, mais une solution là, déjà pour nous faire. Même quand on est n'importe où dans Haïti, on a eu 4 fourchettes. Et 4 fourchettes, chaque fourchette a contrôlé 4 ou 5 départements. Là, donc il y a des gens qui mettent des points de contrôle dans un endroit où on a fait de pouvoir terrestre pour bloquer tout le trafic de drogue. Donc c'est pas que d'embarquer, même si on ne peut pas avec les gens qui sont sur quoi ça ou tout. Les CFC ouvrent les batailles contre le drogue, c'est pas pour nous faire. Mais qu'il y a si nous-mêmes, en tant qu'Haïtien, nous décidons de nous dire, eh bien, on met une application. Venez avec le monde qui compte bagaille pour faire un programme. Bah, si je dois parler à tout, si je l'ai amené, et la police là. On ne peut pas faire comme ça. Il faut faire avec le monde qui connaît. Ou quand on crée au conseil de sécurité, puis de son bail à l'offre, oui, ou crée le conseil là, et puis qu'on y a son, ou crée un seul, et on dit, politique, qu'il y a pour un gouvernement qui a pointé pour le 4 ou pour le utiliser comme exemple politique. Tout ça, c'est l'entrée dans l'affaire de gouvernance, de monde, qualité monde, qualité leader, qui a privé dans tête pays, à qu'on y a aujourd'hui, il faut que vous gagnez compétence ou incapacité. Ou pas, n'importe qui va arriver, et puis tout qu'on y a le président, et puis tout le président qu'on y a là, il pense, il va prendre toutes les décisions qu'on y a le fond de base, c'est libre, il va faire n'importe quoi, il va faire n'importe quoi, alors que chaque monde gagne un rôle, chaque monde gagne attribution. Donc cela rentre encore dans le problème de gouvernance. Oui, il y a des problèmes de pauvreté. Mais tout ça, c'est qui est caractère fait. Pour ça, nous avons vivier, c'est vivier côté quartier populaire, côté que effectivement les facilités, émergence, activité criminelle. Pour qui ça, au problème d'accessibilité. Pour force de l'ordre, l'État pas présent côté ça. C'est une structure de sécurité, inaccessibilité et problème aménagement territorial. Nous allons le poser. Pour les métas civils, là, qu'on y a là, tout le monde, pas qu'il y a un monde qui gagne, ou pas qu'il y a un base de données qu'on dit, mais c'est un tel, tout le monde, c'est petit, c'est bagarre là qu'on y a, c'est problème sécurité le posé, il y a une agit sur sécurité à tout. Même problème, et ça parlait de déforestation et autres problèmes de sécurité, oui, parce que la sécurité, c'est bien seulement un bail criminel, mais tout ça capte tout le monde, c'est problème de sécurité lié. Donc, si qu'on y a la pauvreté, la grande pauvreté, ça veut dire que si on va agir sous lui, on a toujours vivé dans la cité soleil, dans la zone de Saïounia, et puis demain matin, on a dit oui, on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça, on va le craser, on va le briser. Approchez-moi, on ne connaît pas ça. L'État pour être responsabilité. Il faut que l'idée politique, les gens qui ont fait politique, il faut suspendre la politique, pour peut-être pas. Si fait politique, pour le pays, laissez-le qu'on y a, on a moins de bandits, on a moins de gens qui ont des problèmes, ça, aujourd'hui, on a des problèmes, non? Donc, chaque fois, après chaque 10 ans, après les blancs venus de nous. Ça fait peut-être non. Tout ça, on va nous casser. Je fais un cadeau au massacre américain, non, bon, je vais te dire que je vais faire un cadeau au rivage, à nous faire, pas qu'elle a donné, qu'on y a la bonne, pas qu'on y a la donne. Donc, ça, c'est nous le problème, c'est pas pour nous étrangers, même les comptes des abdims étrangers qui tout bagarre là. Mais qui ça, c'est peut-être pas nous. Nous pas jamais faire peut-être pas nous, si tu as dit d'amener de nous, et puis nous, même quand dit, mais nous, on va aider nous. Donc, faut dire, mais ça me plaît. Même si j'ai un colloque, quelle police pour Haïti? Des fois, tout ce qui est civil, là, net, nous devons mettre au Chitagon, pour indiquer quel type de police nous pouvons payer. Nous, ils sortent avec des résultats et autres, mais finalement, ça passe. Nous pas qu'à appliquer, nous pas qu'à mettre en application, parce que justement, il y a des contraintes. Mais qu'on y a fort, au moins, nous libérer nous de ça, pour qu'ils s'adaptent à l'étranger, pour dire parole pour nous. Nous, qu'à faire, c'est pas nous, pour compte pas nous. Et moi, même, l'idée, que tant quand même, pour ainsi vous dire là, c'est l'étranger qu'on a pris, après tout ça, qu'on a pris une baille, sécurité, parce que le problème, nous, c'est qu'à résoudre depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous avez venu, même pour que ça me dévienne à poche. Je ne sais pas si vous faites opération des bandits. Je ne sais pas si vous faites la guerre à courir à des bandits. Je ne sais pas si vous quittez les bandits, vous initiative à tout. Mais créer des fenêtres d'opportunité, vous montrez à la Kounia là, à ce moment-là, vous prenez cette fenêtre de bandits. Depuis qu'il est bon, depuis qu'il est bon, vous avez fait n'importe quoi, vous avez dit, faites-le, faites-le. Parce que nous pas mettre une tête de la Kounia pour nous garder comment nous allons reconquérir et aussi le territoire que nous allons reconquérir. Moi, je ne m'approche pas mal de ça parce que moi, je me connais. Sauf aujourd'hui, là, nous avons gagné. Tout ce que nous avons fait, c'est pour ça que nous investi personnellement comme chef de la police pour nous donner, pour nous empêcher le cas, nous tuer dans l'œuf. Mais par continuité, tout ça ne pouvait pas nous quitter, nous suivre. Parce que le gouvernement monté pour nous déconstruit tout ça qui est fait après nous. Tout ça qui est fait avant nous. Donc, vous pensez comme si la police, ça c'était petit pour les et puis tu fais n'importe quoi, vous avez dit, vous avez dit, alors que pas allié. Donc, faut qu'au moins qu'on y ait là, nous gagnons des mondes tout. Là où ils viennent dans cette institution, ils connaissent le rôle, ils connaissent l'attribution. Mais c'est bien qu'on nous fait pour nous faire le job.
Vous pas faire des bails pour négla pour n'affronter des bails. Vous n'êtes salier aujourd'hui là. Par contre, faire des comme ça debout aujourd'hui. Comment expliquer qu'on est là? C'est le moment plus et vous qui plus favorable. Vous pouvez d'agir ça dans le consensus national autour d'une question, soit de sécurité ou bien autour d'Haïti quoi. Parce que par contre, régime au pouvoir, par contre, président au pouvoir, ça veut dire nous tous c'est nous au pouvoir qui là qui n'a caché à tout le monde. Et puis quoi vous dire avancer? Chaque nègre de faire pas. Chaque nègre de faire pas. Vous semblez vous parler. Entre secondes, dernière question. Maintenant, in between, parce que les gens qui sont souterrains, les regardent ce qu'ils ont préparé pour eux. Ils doivent bien ranger. Est-ce que pour vous, le niveau d'alerte et de risque là, il a augmenté pour les citoyens au quotidien par rapport à Bandi? Oui, madame Doula, le niveau d'alerte là, c'est du bagage. Hein? C'est ou bien comme si nous arrivons dans une situation où on a augmenté, on a gâté là, comme quoi, comme si nous avons compliqué là, à l'international, à ce moment-là, on va aller dans l'autre. Comme on dit encore, on va gagner ça d'après les autres approches tout au niveau international. On a un type de réponse tout que ça va prévoir aujourd'hui à matin là. Tout ce que vous avez dynamique changer chaque jour, ça veut dire que c'est au fur et à mesure qu'on y est là, on va dire qu'on y a finalement qui fait déjà de force besoin. Parce que couvrir coupable, on n'était pas étalé là, c'est le momentum qu'on perd du momentum année partielle, pas au même temps année ça, sur l'autre bagaille lié. Donc je dis à nous qui ça, nous qui conseille sécurité qui pour résolution, c'est vrai, mais je dis à la, on dit avec les coups de bois et qu'on y a là, c'est qui ça, citoyen, mais qui ça, oui, qu'on y a là. Moi, je pense, dans le niveau ça, justement, il faut qu'au moins nous gagnions assez intelligents, assez lucides qu'on y a là, pour au moins gagner du temps, mais gagner du temps qu'on y a tout en même temps, il faut créer au moins la caille individu citoyen, nous-mêmes, qui nous-mêmes avons là. Voilà. Donc, une perception de sécurité qu'on a pour être au moins venu là. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que je vais passer sur dos, je vais passer par là parce que justement, on a des problèmes, mais il y a des problèmes qu'on là. Est-ce que nous t'es fait? Est-ce que nous, j'aimerais que nous nous disions, nous mettons tout inventé, nous faisons inventer toute force nous, et puis nous disons, nous mettons toute force dans la bataille là. Malheureusement, nous pas arrivé, beaucoup de gens nous obligés de demander et intervention. Nous pas faire. Nous, mais tiens, nous l'avons tout bas sous de la police, pour dire malheureux, et bien m'entraîner pour ça, avant la faire face là, et puis tout le monde pour le résultat. Moi, je ne pas blâmer, je ne vais pas blâmer, parce que je ne pas commander, je ne pas rien. Donc, je dis à la, on a parlé de leadership, on a parlé d'ensemble de bagages, que je dis à la, on a créé une police pour nous, qui a fait un paquet de bonnes, qui a fait 6 mois, négocier sur le tac, on a fait un type de leadership pour nous, pour la police. Mais je ne vais pas blâmer, je ne vais pas blâmer comme ça. Parce que c'est un peu comme ça. Donc, il ne va pas comme ça. Donc, je pense que je dis à effectivement, nous pour nous continuer ça qu'a fait là en attendant que nous là on met toute force nous on met toute bagarre nous toute force nous balance nous on est intelligent on faut être intelligent ou dire c'est pas nous et puis qu'on y a une barrière de une dégradation totale de en vue de sécurité là. Mes amis, attendez ça, ou c'est haïtien ou remet pays ou et puis on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paul là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait débat.